séance spéciale abdos, ventre plat et taille fine les amis. On est sur notre dernière séance de votre mois numéro 2. Finissez cette séance en beauté et franchement vous pourrez vous dire: ça y est, je l'ai fait, j'ai validé les deux premiers mois, soit quand même 48 séances avec moi. Peut-être que vous en avez raté une ou deux, peu importe. Mais en tout cas, on est parti. Donc avant de commencer cette séance, je vous invite à cliquer en bas à droite si vous ne l'avez pas encore fait quand même. C'est vraiment le moment de le faire. Ok, je pense qu'après 48 séances, on est un peu plus proche maintenant. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que vous avez encore le guide de la perte de poids rapide qui est 100% gratuit. Profitez-en. Et vous avez également le lien de la cagnotte. Je l'ai relancé sur un mois. Ma cagnotte Litchi pour créer mon tout nouveau programme, d'accord, j'ai remis un mois de délai, tout simplement parce que j'ai pas encore atteint mon objectif. Donc du coup, je l'ai remis pendant un mois et du coup, ça vous permet, si vous n'avez pas encore fait et que vous voulez participer à ma cagnotte, de pouvoir y participer. On est parti les amis pour votre séance spéciale abdos ventre plat et taille fine. Bon courage, let's go. Allez, c'est parti les amis pour la séance. Donc on commence avec 5 minutes d'échauffement comme d'hab. Et ensuite, petit bloc pyramidal de 12 minutes. Ça va piquer un petit peu, je suis désolé, mais il faut passer par là. Donc, on commence avec marche active ou course, 30 secondes, 30 secondes, 3, 2, 1 et go. D'ailleurs, ce n'est pas 30 secondes, 30 secondes, n'importe quoi, c'est 50 secondes de marche active ou de la course et après 10 secondes de genoux, d'accord? Allez, on envoie. Gardez ça tranquille, donc choisissez l'option 1, l'option 2, comme vous voulez et on envoie tranquillement. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Bien sûr, c'est une séance d'abdos, donc toujours plus cool que le reste de la semaine, mais ça va pas être si cool que ça, vous allez voir. Toujours pareil, travail pyramidal, 12 minutes 30 d'effort, 5 exercices et on termine du coup ce mois avec cette séance d'abdos qui va être bien sympa je pense. Dans 10 secondes, on enchaînera avec des genoux, avec ou sans saut, comme vous voulez, d'accord? Donc choisissez votre option, ça va pas durer longtemps donc allez go, soit sans option, lâche, je souffle et je monte mes genoux. Ok, soit avec option léger saut. Yes, talon fesse en 3, 2, 1. Et go, talon fesse, go. Droite, gauche, droite. Yes. Et on garde ça, parfait. Ici, on fait 40 secondes de talon fesse. Et ensuite, on repart sur les genoux, d'accord? Donc, sur les genoux, sur la montée de genoux, bien sûr. Allez, encore 20 secondes comme ça, tirez les coudes en arrière. Si vraiment vous êtes chaud, vous pouvez faire un peu plus en mode course. Ok, là le dos bien droit, les abdos serrés. Et juste j'envoie droite, gauche, à la cool. Ok, allez, on se fume pas trop, c'est les abdos. Dernier jour de la semaine. Ok, genou droite, gauche, avec, encore une fois, sans impact ou avec impact. Et on envoie. Go, go. Très bien, il nous reste 5 secondes et on va passer en climber, d'accord? Donc là ici, 3, 2, 1, go, on y va, climber. Les genoux sont proches du sol, pas besoin d'aller hyper vite là. Pourquoi? Parce que le but de ces climbers, c'est vraiment d'engager ses abdos. Donc frôlez le sol avec les genoux et envoyez. Yes, allez, on garde ça, abdos serrés, les mains sont sous les épaules et dans 10 secondes, on repasse debout pour les genoux et après on termine avec un échauffement spécifique sur la sangle abdominale. Allez, 3, 2, 1. Et genoux, c'est parti. 30 secondes de genoux. Là ici, soit comme tout à l'heure, avec impact, sans impact, peu importe. Go. Montez les genoux et surtout serrez bien vos abdos au moment où vous montez les genoux. Moi, je vais commencer à passer au sol pour vous montrer la suite. Ce sera tout simplement des crunch crawls. D'ailleurs, vous pouvez relâcher, passer au sol, poser le pied au sol, ouvrez les mains, coude bien ouvert, les mains au niveau des tempes, droite et gauche, d'accord? 3, 2, 1, go! On y va, une à droite, une à gauche. Je souffle bien dans la montée et j'essaye avec mon coude droit d'aller chercher mon genou gauche. Mais ici, je ne fais pas, je tire pas, c'est la rotation du haut du corps qui me permet d'aller chercher le genou opposé avec mon coude, d'accord? Donc, cherchez à le faire proprement. Avoir une vraie rotation. En vrai, il n'y a même pas besoin de tout de suite tendre les jambes, tout ça. Parce que là, quand vous êtes là, si vous soufflez, ok, soufflez et serrez bien vos abdos à ce moment-là, vous avez déjà une grosse contraction musculaire. Et vous verrez, dans le prochain mois, on va accentuer le focus sur la mise sous tension. Donc dès lundi, vous allez voir, nouvelle méthode, nouveau style d'entraînement un petit peu. Et du coup,
Vous allez voir que on va apprendre à se mettre sous tension et à rendre. Maintenant, on va optimiser, maintenant qu'on a bien compris les entraînements, les mouvements, on va optimiser ces mouvements et apprendre à les faire réellement efficacement. Encore 5 secondes, s'il vous plaît. D'accord? 3, 2, et on termine ici avec des crunchs de base, d'accord? Souffle et redescends. Je monte mes jambes et je redescends, je viens te poser talon et je remonte. Soufflez. Quand je monte mes jambes ici, quand j'arrive en haut, j'essaie d'avoir bien soufflé, expulsé mon air. Et j'essaie ici, je peux de décoller les fesses. Là, ici, si je fais juste ce petit mouvement là, ça rajoute une grosse contraction dans la partie basse du ventre. Et c'est ça qu'on veut, d'accord? Donc gardez ça. Encore 40 secondes. Donc ça va déjà commencer à chauffer les abdos. À la fin de cet échauffement, normalement, on est déjà bien. Et vraiment, cherchez à souffler, serrer fort le ventre. Là, vous pouvez déjà, en à peine 2 minutes d'abdos, vraiment fumer votre sangle abdominale. Il y en a plein qui m'ont dit la semaine dernière, ouais, c'était facile ta séance par rapport à d'habitude. Alors peut-être qu'elle était un peu plus facile, mais je pense pas parce que j'avais mis des exercices assez durs. Alors dans ce cas-là, il va falloir essayer d'aller chercher plus de mise sous tension. Et comme je vous l'ai dit, on va voir travailler ça sur le troisième mois. On arrive vraiment sur le mois d'optimisation, mais ce sera à partir de lundi. Terminez cette séance d'abord et on en reparlera lundi. 3, 2, 1, stop, on récupère. 1 minute et on va partir comme d'hab pour cette séance d'abdos. Donc c'est la dernière de cette manière, après ça sera complètement différent la semaine prochaine. Donc profitez-en pour une pyramide de 12 minutes 30. Je vous rappelle, vous avez 5 exercices, exercice 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez faire l'exercice 1, 30 secondes. Ensuite on va faire 1 et 2 à la suite, ensuite 1, 2, 3. Ensuite 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Ok? Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Pas de problème, vous avez juste à suivre ce que je vais vous dire. On va commencer avec cercle avec les jambes. Ce sera notre exercice numéro 1. D'ailleurs, c'est pas cercle avec les jambes, excusez-moi, c'est crunch jambes. Le cercle les jambes sera le deuxième. Ok? Donc en fait, on repart sur l'exercice qu'on a avec lequel on a terminé l'échauffement. Là, ici, et on va le refaire encore 1 minute. Ok? Donc là, chou. Par contre, je vais vous rajouter une option si vous voulez plus de tension. Si vous ne l'avez pas senti assez, ben là, vous allez bien le sentir, vous allez voir. Allez, dans 5 secondes, à partir de maintenant, on part pour les crunchs avec les jambes. 3, 2, 1, go! Allez, souffle, inspire, souffle, inspire. Si ça, c'est trop facile, bien qu'on va le faire 1 minute, tendez les jambes, souffle, tendez à 45 degrés, d'accord? Souffle et on tend. On souffle et on tend, d'accord? Et vous revenez. Ça va être beaucoup plus dur. Si c'est trop dur, vous restez sur cette option-là. Et là, on fait ça 1 minute. Pourquoi? Comme d'hab, parce qu'on fait l'exercice 1 et ensuite on fait 1 et 2. Donc en fait, on fait 2 fois le 1. Mais ensuite, on va changer toutes les 30 secondes. Gardez ça encore 30 secondes. Et ensuite, on partira sur des cercles avec les jambes. D'accord? Les mains seront sous les fesses. Moi, je vais commencer d'ailleurs à vous montrer un petit peu le mouvement. Ici, vous passerez les mains sous les fesses et vous aurez 2 options. Continuez pour l'instant. Option 1, c'est jambes pliées. Ok? Et là, je viens faire des cercles, mais c'est avec ma cuisse que je fais un cercle. D'accord? C'est pas ça. Là, il se passe rien. D'accord? Option 2, c'est jambes tendues. On fait des cercles vers l'intérieur. Et on part dans. Excuse-moi, je vois pas mon chrono tellement il y a de soleil. 3, 2, 1, go! Allez, soit option 1. Ok? Donc là, je fais des cercles avec mes cuisses. D'accord? C'est là, avec mes jambes, avec mes cuisses, pardon. Ok? Ou alors jambes tendues, bien sûr. Mais il ne faut pas que ça tire dans le dos. Donc vous passez les mains sous les fesses si vous voulez. Et vous cherchez à bien contrôler ce que vous faites. Des beaux cercles vers l'intérieur. On contrôle ce qu'on fait. Dans 10 secondes, on repart sur les crunchs avec les jambes. Et on rajoutera après l'exercice 3. On va faire l'exercice 1, 2 et 3. D'accord? Allez, 3, 2, 1 et go! On y va. Donc soit ici. Et je reviens. En haut. En bas, comme vous voulez. Donc soit juste ça. Là. Tranquille. Ok? Soit ici, et je ramène, ok? Ensuite, cercle avec les jambes dans 15 secondes, toujours au sol. Maintenant que je vous ai montré les deux options, moi je montrerai plutôt l'option jambes tendues, mais vous avez l'option jambes pliées, donc vous choisirez, et après je vous montre l'exercice numéro 3. Allez, 3, 2, 1, yes, side, c'est parti, cercle avec les jambes. Pas besoin de faire des énormes cercles, hein, à peu près la taille d'un pneu de vélo, ok? Sur chaque jambe, là ici, boum, boum. Yes, si ça tire trop dans le dos, je remonte un peu, je le fais un peu plus haut. Si ça tire trop, je prends l'option avec les jambes pliées, comme je vous ai montré juste avant. Ensuite, on enchaîne avec des pikes, les amis. Vous vous rappelez les pikes? En 10 secondes, ici, option 1, je plie, je viens toucher les talons. Option 2, la vraie option pike, c'est celle-là. Ok? Allez, 3, 2, 1, go, on y va. Donc, soit ici, touche, ramène. Option 2, jambes et bras tendus, boum! Je ramène tout ça, c'est beaucoup plus dur que l'option 1. D'ailleurs, l'option 1, elle ressemble beaucoup au crunch du début, d'accord?
Donc encore une fois, choisissez ce qui vous convient. Mais là, c'est impossible en fait que vous me disiez à la fin de 12 minutes 30 d'abdos non-stop que c'était facile. Si vraiment vous engagez bien, vous soufflez à chaque fois dans l'effort, vous contractez, vous mettez sous tension, ça m'étonnerait que ce soit si facile que ça. Allez, go, repart sur l'exercice, un crunch et les jambes, go. Là ici, je souffle à monter et je redescends. Ça, c'était l'option de base, hein. Je vous rappelle, les jambes pliées. Yes. Cherchez vraiment, vraiment c'est, je resserre mon corps, j'engage mes abdos au max. Ok, je reviens, je relâche, je remonte, je souffle, je serre mes abdos au max. Cherchez vraiment cette tension extrême au moment de la tension justement, d'accord? Allez, cercle avec les jambes dans 3, 2, 1, time, c'est parti, on y va. Cercle avec les jambes, boum, on contrôle. Yes, là ici, grosse tension dans vos abdos, plutôt sur la partie basse du ventre en général. On sent plutôt en bas là, on garde ça et ensuite pike dans 15 secondes et ensuite on rajoute l'exercice 4, ce sera de sit-up. À la cool, à la cool. Ok, allez, dans 5 secondes à peu près, pike. Je vous rappelle les deux options, ici pli, tend ou alors les deux bras et les deux jambes tendues. 3, 2, 1, go, on y va. Option 1, c'est là, là, là. Option 2, là. Ok, je bloque et je ramène tout, mais ça je le fais vraiment, ah, vous avez vu, c'est dur de parler en même temps. Ça vous le faites vraiment que si ça ne vous tire pas dans le dos, d'accord? Moi ça ne me tire pas dans le dos, par contre ça demande une énorme tension dans les abdos. Donc peut-être que plus on va se rapprocher de la fin de la séance, plus on aura moins de force dans les abdos et plus ça risque de tirer dans le dos, et c'est pas ça qu'on veut, ok? Dans 5 secondes, sit-up, ça vous connaissez. 3, 2, 1, allez go, sit-up, soufflez dans la montée, inspirez dans la descente, yes! On garde ça, parfait! Ok, je vous rappelle, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut. On peut très bien faire des petits ici et souffler bien dans la montée. Engagez sa sangle abdominale un maximum. Go, go. Et soufflez bien. Votre objectif ici, vraiment, c'est en fait le mécanisme de l'expiration. Il travaille déjà les abdos. Vous avez peut-être déjà vu des gens qui font souffler dans une paille et ça chauffe les abdos. Dans les cours de chant, on fait ça. Ok, on repart sur crunch jambes. 3, 2, 1, go. Allez, on arrive au sommet de la pyramide maintenant. En haut, on revient. Je vous rappelle, vous avez toujours l'option. Jambes 45 degrés si c'est trop facile. Yes, allez, soit ici, soit là. Poum. En haut, en bas. Encore. Yes. Comment vous le sentez, les amis? Ça doit piquer normalement. Vous commencez sûrement à me détester. On arrive donc au sommet de la pyramide. Et on va faire des holotourocs à la fin d'ailleurs. Cercle avec les jambes. 3, 2, 1, go. Allez, je vous remontre à chaque fois. Yes. Tranquille. Je remonte l'option, hein, parce que peut-être qu'on faisait l'option tendue et que là on n'en peut plus, on veut passer aux jambes pliées. Jambes pliées, d'accord, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Ok, là il se passe rien, regardez, ma cuisse ne bouge pas. Pour qu'il se passe quelque chose, c'est avec mes cuisses que je fais le cercle. D'accord? C'est vraiment important. Parce que souvent je vois des gens qui font ça avec les jambes c'est la partie en dessous du genou, souvent on fait la confusion. Et bah là il se passe pas grand chose, d'accord? Pike! Allez, 3, 2, 1, go, on y va. Soit je touche, je ramène, derrière, touche. Là, on est grosse tension, hein. Ou alors en haut, encore plus grosse tension. Yes! Normalement, vous devez bien le sentir. Sit-up dans 15 secondes et on terminera avec des holotourocs. Essayez pour les sit-ups de vous mettre de manière à voir votre écran quand vous remontez, en tout cas, comme ça vous allez voir un petit peu le holotouroc. Je vous montrerai en avance, bien sûr. Allez, 3, 2, 1, go, on y va. Sit-up. Ok, faites ça et moi je vous montre le holo pendant ce temps-là. On l'a déjà vu ensemble. Option 1, bras autour de la tête, biceps collés aux oreilles, jambes 90 degrés. Option 2, jambes tendues. Et celui que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est le holo to rock. Balancer ici et rouler. Mais que si vraiment on a un bon maintien au niveau de la sangle abdominale, qu'on a encore de la force. Faut pas du tout que ça tire dans le dos. Faut avoir le bas du dos arrondi comme une petite cuillère un petit peu, d'accord? On fait un peu la cuillère. Allez, 3, 2, 1. Ok, je remonte. Option 1, je reste là. Option 2, je reste là, statique. Option 3, je balance mes jambes. Et ensuite, c'est un balancier qui se fait un peu naturellement. Enfin, c'est pas vraiment naturel de faire ça. Mais vous avez compris, en gros, il y a une grosse tension. Et là, toute la tension, surtout là, au moment où les épaules sont décollées, qui se crée dans les abdos, c'est assez hard. D'accord? Donc vraiment, celui-là, on le fait qu'une fois. Surtout à la fin de la pyramide, là, c'est acheté chaud. Mais continuez à faire ça. Et dans 5 secondes, on repart sur les crunchs plus jambes. Ok, 3, 2, 1, go, on y va. Allez, crunch, on redescend. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je souffle, j'inspire. Tranquille. Yes, comment vous le sentez?
Parfait. Est-ce que vous sentez vos abdos qui commencent à brûler? Peut-être que vous allez me dire, mais Arthur, tu te fous de moi, quoi? Ça fait déjà 10 minutes que ça brûle mes abdos. Peut-être, peu importe. Cercle avec les jambes dans 5 secondes. Dites-moi à la fin dans les commentaires comment vous avez senti cette séance. Allez, 3, 2, 1, go! Yes, allez, on y va. On vient ouvrir. Oh, parfait. Très bien. On vient tourner ici. Cercle, toujours pareil, vous avez l'option jambes pliées. Franchement, moi, je fais la moitié des exercices à peu près parce qu'à chaque fois, je parle et je vous montre l'exercice suivant. Et j'ai déjà les abdos quand même déjà bien en feu. Alors, j'imagine que vous, qui ne vous arrêtez pas, ça doit vraiment piquer. Pike, dans 5 secondes. Mais bon, vous êtes quand même 10 fois plus fort que moi, donc peut-être que vous tenez tranquille. 3, 2, 1, go, on y va. Là, et là, je me suis mis en pente. C'est grave pas pratique. Je suis tout le temps en train de rouler sur la droite, vous ne voyez pas, mais je remonte option 1, option 2, bien sûr. Ok? Après, on fait les sit-ups pour la dernière fois. Celui-là, il est violent. Hein. Et bien sûr, encore une fois, on le fait que si ça va. D'accord? Si ça chauffe trop dans les abdos, enfin, c'est pas dans les abdos, je m'en fiche, mais si ça chauffe trop dans le dos, on ne le fait pas, les amis. D'accord? Vous restez là-dessus. On part pour les sit-ups dans 3 secondes. Là, ici. Go, on y va. Sit-up. Yes. Allez, soufflez dans la montée. Inspirez dans la descente. Aïe, aïe, aïe. Dernière fois qu'on fait les sit-ups. Donc, on en profite. On essaie d'en faire un maximum, s'il vous plaît, en seulement 30 secondes. C'est le but maintenant. Envoyez, max de sit-up. Allez, go. S'il vous plaît, reste encore 10 secondes et ensuite on redescend. On aura quasiment terminé la pyramide, vous allez voir. Quand on arrive à la fin, ça va tout le temps beaucoup plus vite. Yes. Sit-up, 3, 2, 1. Et on part sur les crunchs, jambes. Allez, ça repart. Là, on fait exercice 1, 2, 3, 1, 2 et 1. Je vous rappelle, ici, vous pouvez faire ramène. Reviens ici, 45, ramène, 45, comme vous voulez. Surtout, juste ce que je veux, c'est grosse contraction musculaire dans votre sangle abdominale. Encore, waouh, 10 secondes s'il vous plaît. Et ensuite, ce sera cercle avec les jambes. Yes, 5 secondes, 3, 2, 1. Allez, go, on y va. Faites des beaux cercles. On peut resserrer et faire des cercles un peu plus petits si ça commence à vraiment trop chauffer. Ou je vous rappelle que vous pouvez très bien passer sur cercle avec les jambes pliées. D'accord? Ensuite, on fera pike pour la dernière fois. D'accord? Donc surtout, gardez cette tension dans vos abdos. Serrez-les. Essayez d'avoir une tension constante. C'est normal qu'au bout d'un moment, on relâche. Mais dès que vous repensez, boum, vous remettez cette tension musculaire pour que ça chauffe vraiment. D'accord? Allez, 3, 2, 1, pike! Ça repart. Ici, dernière fois qu'on le fait. Alors, on en profite soit ici, soit, je vous rappelle, la version beaucoup plus chaud, beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile, mais plus efficace aussi. Oh, ceux-là, ils sont vraiment violents. Allez, reste encore 15 secondes et après, on n'a plus qu'une minute 30 et on a terminé pour aujourd'hui. Et là, vous me dites, quoi déjà terminé pour aujourd'hui? Ouais, mais gardez vos forces, les amis, parce que le mois numéro 3 arrive dans 2 jours et ça va piquer également. On repart, crunch plus jambes, go! Allez, on y va. Exercice 1, 2 et 1. Ok? Yes. Je souffle bien dans la montée à chaque fois. Grosse tension. Je vous rappelle, si vraiment vous êtes chaud, vous pouvez rajouter les jambes tendues 45 degrés, comme vous voulez, que si vraiment vous le sentez. D'accord? Encore 10 secondes. Ensuite, on repart cercle avec les jambes pour la dernière fois. D'ailleurs, on va faire une petite variante. On ne va pas faire des cercles, on va faire des petits battements juste pour le kiff. Allez, comme ça, on peut le faire tous. J'ai entendu. Et go, 30 secondes comme ça. Ok, petite variante juste pour le kiff. Ici, si on veut garder les jambes pliées, on plie un peu les jambes, mais encore une fois, c'est pas ça. Hein. Là, il se passe rien, d'accord? Donc faites-le là. Ou alors là. Je plie un peu les jambes, mais je reste quand même la cuisse qui. C'est quand même la cuisse qui bouge. D'accord? Encore 5 secondes. Et on termine avec les crunchs jambes, d'accord? S'il vous plaît. 3, 2, 1. Hein, allez, dernier effort, 30 dernières secondes. En haut, en bas. C'est la dernière ligne droite, les amis. Tenez bon, n'importe quoi. Souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. En haut, en bas. En haut, en bas. Et je vais vous faire un petit cadeau final pour terminer ce mois numéro 2. Continuez encore 15 secondes. Et à la fin des 15 secondes, regardez, vous bloquerez en haut. Vous resterez sur cette position en haut. Et vous ferez juste des petits comme ça, 30 secondes. Juste pour le fun, d'accord? Allez, 3, 2, un bloqué en haut, regardez, restez là et faites que des petits ici. Essayez de bien décoller les fesses et terminez vos abdos. Que des petits.
On serre le ventre, je veux qu'il y ait une énorme tension dans votre sangle abdominale. Donc faites des petits, engagez votre ventre, vos abdominaux. Plus que 15 secondes s'il vous plaît, c'est votre petit cadeau pour finir ce mois numéro 2. Et il reste encore 10 secondes, grosse tension encore. Yes, cherchez à aller jusqu'au bout, même si ça chauffe, je sais, même si vous me détestez. Encore 3, 2, 1 et time, relâchez. Ok, bien joué, on finit par s'étirer tranquillement. Et après, je pourrai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Ici, vous allez venir vous mettre sur les talons et on va venir s'asseoir. Du coup, juste, on va se mettre, pardon, on se met pas sur les talons, sur les genoux, et on vient s'asseoir sur les talons. Allez, on étire un petit peu la sangle abdominale. Très bien. Ici, regardez, on va faire comme un push-up wave. Là, ici, on avance, sauf qu'on va bloquer en haut, en position un petit peu cobra. Hop là. Et on relâche bien ses épaules et ça étire le ventre. C'est hyper sympa. Regardez ça. Ok, vous revenez doucement. Là ici, on va chercher sur le côté droit pour moi et sûrement gauche pour vous, c'est inversé. Yes, là on étire un peu la taille. L'autre côté. On revient au milieu, là ici, grande inspiration. Et relâchez tout. Yes. Waouh, félicitations, comment vous avez senti votre ventre? J'espère que ça a été, j'espère que vous avez réussi à mettre cette énorme tension. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre un like pour me faire kiffer, comme d'habitude, ça me fait juste kiffer. Non, en réalité, ça sert un petit peu au référencement des vidéos également, donc n'hésitez pas à mettre un like, ça prend 2 secondes. Faut juste faire comme ça, et moi, ça me permet de mettre mes vidéos en avant, et du coup, d'aider encore plus de gens à faire du sport, surtout que bah, un programme gratuit comme ça de 3 mois, c'est pas tout le monde qui le fait, donc n'hésitez pas à mettre mes vidéos en avant. Je vous invite également à partager du coup ces vidéos sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. À chaque fois, il y a des gens qui vont peut-être cliquer dessus et ça se trouve, vont se mettre au sport grâce à vous en réalité. Dites-moi dans les commentaires également, fait comme d'habitude avec un petit commentaire si vous voulez. En plus, moi je réponds à chaque fois, ça me fait kiffer. Et je vous rappelle que vous avez le lien de ma cagnotte Litchi dans la description de la vidéo. Voilà les amis, félicitations en tout cas si vous êtes arrivés jusque là. Franchement, bravo, vous avez déjà validé 48 séances et il nous en reste encore 24 pour le mois numéro 3. On va changer complètement de méthode d'entraînement, donc ça va commencer à partir de lundi. Séance spéciale bas du corps comme d'hab avec une façon de s'entraîner qui va vous sortir de votre zone de confort, j'en suis certain. Je vous donne donc rendez-vous lundi pour votre prochaine séance. À lundi les amis, ciao !